Salutations à vous, bienvenue sur le réseau social Juno 7 yo pour suivre l'autre sortie rubrique Actualité Semaine nan, qui sont un résumé essentiel de l'actualité semaine qui s'est passée. Rubrique ça passe tout sur Télémix, chaîne 77 Télé Haïti et Radio Sans Fin RSF. Secteur démocratique et populaire a annoncé de couper toute relation avec Estricti Diopod là, qui c'est une autre branche dans l'opposition. Secteur démocratique là, Diopod pas de jambes sous même longueur d'onde, allez voir arriver en temps mieux sous des séries de sujets. Un divorce qui pas étonné en pile monde, mais qui montre plus clair division qui existait dans le secteur opposition. Pendant temps ça, Moïse Jean-Charles, en dans une conférence de bail, annoncé de pouvoir lancer un agent électronique qui est le Bitgood et puis mandat à la population pour brûler tout matériel référendum, une façon pour camper contre projet nouveau Constitution Jovenel Moïse le bail pays. Roselymane Saint-Jean remporté prix public là dans concours international Éloquence Paris 1 Panthéon Sorbonne t'a organisé malgré belle présentation dans finale là côté il t'a fait éloge tout son ouverture compatriote là pas arrivé prendre prix jury là mais contenté il quand même avec vote public là qui était plus passé 25 000. Semaine qui s'est passée, Jovenel Moïse décrété état d'urgence sanitaire pour 8 jours sur tout territoire national là à cause corona qui a pris une augmentation considérable, si nous référons à la statistique MSPPO. Chesnel Pierre, directeur général ONA, mourut dans la nuit de vendredi pour l'ouvrir samedi 22 mai, jusqu'où il n'y a pas aucun communiqué bon côté gouvernement pour dire cause dans moi ça, mais information qui a circulé à laisser croire concernant à mourir par coronavirus. Ancien président CEPA Franck Gérard Véret mourit dimanche 23 mai dans l'hôpital Delma 2 après qu'il ait fini attrapé coronavirus, il mourit à 69 l'année. Semaine qui s'est passée dans l'espace 72 temps, MSPP fait qu'on ait enregistré 302 cas corona, 12 l'an mort et 67 personnes qui hospitalisés. RNDDH, en dans un rapport, il mettait d'ailleurs 20 mai qui s'est passée, fait qu'on ait plus passé 120 personnes assassinées, 161 cas éboulés dans Cité Soleil et Belay, sorti août 2020 pour mai 2021. Ça. Bonnet Vanol, c'est un citoyen la police mettait main sous lui parce que selon institution policière, Bonnet Vanol t'a impliqué dans détournement plus passé 88 millions goud. Administration Biden l'a prolongé TPS là pour 18 mois en faveur compatriotes haïtiens yo qui t'ai risqué déportation dans pays Tonton Sam. Président dominicain Luis Abinader a accordé nationalité dominicaine à 50 descendants haïtiens qui fait dans pays voisin. Mais qui était nationalité dominicaine retiré à cause d'un décret controversé qui était pris en 2013. Jeudi 27 mai, à bord des heures dans l'après-midi, nèg exam rentré et puis pillé TZ électronique, un business qui trouvait en dans parc Midoré Delma 33. Nèg yo levé appareil électronique avec une grosse somme l'argent et puis tiré dans la cour avant de virer de yo aller. Dans l'international, Karine Jean-Pierre, qui a origine haïtienne, vini deuxième femme noire qui marque l'histoire Maison Blanche, après le film présenté un point de presse en dans White House là. Avant Karine, moun qui te fait ça, c'était Judy Smith en 1991 sous président George Walker Bush, père. Dans Kilti, la difficile, c'est une nouvelle musique Shumi Fink sorti qui est disponible sur un pile plateforme. Et puis dans l'espoir pour fini, 25 mai qui s'est passé, AS Cavalli, champion CFU Championship, après l'équipe de l'organisateur Tefin bat Inter Moengo 4-0. Gamael Dorville marque 3 goals dans la finale ça, et puis prend prix, jeune meilleur joueur, soulier d'or avec ballon d'or compétition ça. Après 7 années sans qu'on ait goût compétition, Ligue des Champions, Milan AC arrivé qualifié pour participer dans la compétition ça, saison prochaine Cap Vinila, après le fin classé 10e dans le championnat italien.